Eh bien, salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre série Real Time avec Flutter et Firebase, dans lequel nous allons voir comment lister nos discussions. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc, le but dans cette vidéo, c'est de lister tous les utilisateurs connectés pour permettre à notre utilisateur, donc celui connecté, de faire le choix avec celui avec qui il veut causer et de commencer la discussion. Bien évidemment, pour le last message, on va voir ça dans une vidéo à venir, mais pour le moment, nous devons tout d'abord lister les utilisateurs avec qui l'utilisateur peut effectuer un chat. Sans toutefois tarder, vous venez tout simplement dans votre home page, tout va se passer dans le body. Donc, dans notre stream builder, c'est lui qui va récupérer l'utilisateur. La première des choses à faire, c'est tout simplement de vérifier qui représente notre snapshot. Circular Progress Indicator. Maintenant, dans la mesure où on a des données, là, nous récupérons maintenant la liste des utilisateurs en question. Donc, final users qui sera égal à s.data. Bien évidemment, notre stream builder sera de type une liste de ces users. Ces users qui est notre modèle contenu dans la base de données. À ce niveau-ci maintenant, nous faisons return listView.builder. Donc, dans le item builder, context et i qui représente notre index. Là, enfin, return listStyle. Donc, on ne se fatigue pas à créer un modèle. Et ici, final user, donc c'est-à-dire un utilisateur. Qui sera égal à users de i. Donc on parcourt notre liste users et on en tire de cela chaque utilisateur après chaque tour de boucle. Title. Donc là on fait un u.name. User.name. Et là, subtitle user.email. On met un point, virgule, et nous enlevons ce point d'interrogation, ce point virgule. Donc là, le chargement est en train de s'effectuer tout simplement parce que nous n'avons pas encore passé la fonction qui va permettre au stream builder de récupérer les données dans la base de données. Donc pour ça, on va dans DB service et on crée cette fonction là. Dans stream de type list user, donc c'est user get discussion user. Ensuite, nous faisons tout simplement return de user collection point snapshot point map. Voilà, donc c'est maintenant cet événement que nous allons écouter pour à chaque fois détecter les changements de valeur s'il y a des ajouts d'utilisateurs. La liste sera automatiquement mise à jour. Donc ici, à ce niveau, on fait tout simplement event.doc.map. Voilà, donc ce que nous aurons sur le map, ça sera tout simplement la valeur de l'utilisateur. Et là nous faisons cuser.fromJSON. Donc voilà dans à quoi va nous servir notre méthode fromJSON, à convertir tout simplement un map en un objet.
Et vu que E, c'est un document, en passant tout simplement E.data. Et dès qu'on a fini cela, on fait un point, point to list. Et le tour est joué. Donc, vu que notre fonction n'a pas de parenthèse, elle sera tout simplement de type get. Donc, ce sera un getter. Et bien évidemment, je n'ai pas besoin de try catch, car si on n'a pas de résultat, Firebase va tout simplement nous retourner une liste vide. Maintenant, je reviens sur la page home. Une fois là, je peux donc appeler sur mon stream builder la fonction que nous venons de créer. Avec la propriété stream, nous appelons tout simplement dbService point get discussion user. Donc je remets mon et je regarde. Donc là nous avons déjà un résultat que nous voyons là en programme op@gmail.com. Mais bien évidemment, nous avons omis de mettre une taille à notre liste view. Donc item count users.lang. Et nous mettons un point d'interrogation, un point d'exclamation. Sur notre liste style, donc sur le leading, nous pouvons mettre un container child icons.person. Et dans le decoration de notre container, box decoration, shape, box shape.cycle, on donne une couleur, colors.gray.8, opacity 2.5, et bien évidemment nous donnons une hauteur à notre container, donc align, alignment.center, hauteur de 50, largeur de 50. Voilà. Donc, cela fait un peu plus utilisateur. Maintenant, sachez que ça, c'est mon compte. Et bien évidemment, je n'aimerais pas en fait être visible dans la liste des conversations. Donc déjà, je vais faire un petit paramètre ici. Dans le cas où on a des data, on fait une vérification. Donc, si users point lang est égal à 0, point d'interrogation, je fais là un center. Dans le center texte, je vais tout simplement dire aucune discussion. Maintenant, pour faire en sorte que je ne sois pas visible dans les discussions, on va venir rajouter une nouvelle condition. Cette condition, bien évidemment, on va la poser à ce niveau-ci. Je fais tout simplement point where file. Là maintenant, je mets tout simplement UID. UID qui représente cette valeur-ci, qui est l'identifiant de l'utilisateur. On récupère toutes les valeurs dont l'UID is not equal to. Donc on récupère tous les utilisateurs dont l'UID n'est pas égal à hotService.user.UID. Avec cette condition, bien évidemment, nous avons la disparition de notre élément. Voilà, ce niveau. Déjà, la condition que nous avons effectuée ici là ne sera pas OK, parce que nous sommes déjà dans le list view là. Donc on va plutôt la déplacer, cette condition. Donc on remet comme c'était là, on la pose plutôt à ce niveau. Dans users.lang, là nous voyons aucune discussion. Je vais essayer de prendre un autre appareil et je vais enregistrer un compte. On se retrouve dans un instant. Donc j'ai pu ramener un nouvel appareil que voici, où j'ai déjà préinscrit les différents éléments. Donc là on a le nom, l'email et la confirmation des mots de passe. Clique sur enregistrer. Une fois l'enregistrement effectué, nous voyons bien de ce côté Jaurès Valdez et de l'autre côté on programme. C'est bien évidemment le signe que la condition que nous avons effectuée a fonctionné parfaitement. Donc je vais me déconnecter et je vais encore créer
un nouveau compte et nous cliquons sur enregistrer, là nous voyons bien évidemment que Valdez a aussi été créé. Donc nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons effectuer la création de la page de chat. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, comme toujours, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.